Quand vous étiez à la brigade des mœurs, vous avez vu des choses très difficiles, des viols, des meurtres. Par jour. Combien d'années vous avez exercé? 20 ans. On reparlera de ça plus tard. Vous ne m'avez pas l'air très bien en ce moment, hein? Je vais revoir votre traitement. Ah oui, j'oubliais. Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec Gilles? S'il vous plaît, je vous ai posé une question. On en reparlera. Ouais. Oh putain, il a disparu! Bonjour. Bonjour. Inspecteur Dont et Filippo. Vous connaissez cet individu, là? Il vient de passer. Il a un sac en papier sur le bras. Faites-vous? Non, pas vu. Non. Ouais, bien sûr. Au revoir. Inspecteur Dont et Philippon. Bonjour. Vous avez vu ce type? Avec un sac en papier et qui marche vite. Un type suspect? Non, suspect de quoi? Question idoine. Suspect. Vous inquiétez pas. Restez chez vous. Au revoir. Viens, on va dans le quartier du canal où je l'ai déjà vu faire ses petites affaires. On part dans le studio. Teinte sportif. Non, mais dites donc, je me suis excusé. Et qu'est-ce que vous avez dit sur les sportifs? Le sport provoque l'impuissance. Provoque des maladies mentales, ça nuit gravement à vos spermatozoïdes et puis ça nous gonfle à la télé. Ça nuit gravement à votre entourage. Le sport, c'est de la merde. Ouais, le sport, c'est de la merde. Oh, l'insulte! Non, mais vous allez vous calmer, là. Du calme, papy. Tu t'es vu? Police. Ouais, bien sûr. Inspecteur Derek et Colombo. Chanté. Moi, c'est les Beatles. Non, mais dis donc, petit con, tu t'es vu? On dirait un moulin à vent, là. Plus de respect. Aucune instruction. L'instruction, c'est le seul remède à la stupidité. Le mec, t'es pas obligé de te monter. Y a pas de police sans indicateur. Notre gars vient dans le quartier, je l'y ai vu, il y a ses intérêts. Un gars pressé avec un sac en papier sous le bras, bah, ça se remarque. Il y a forcément des gens qui l'ont vu. Et heureusement qu'il n'est pas armé. On ne sait jamais ce qu'il peut advenir d'un homme qui possède à la fois une certaine conception de ses intérêts et un fusil. C'est juste un dealer. Ben, je préfère, j'ai peur des armes. Un flic qui a peur des armes? Heureusement que t'as pas été nommé au service action commando. Là, on sera bien pour observer. Il me faut des preuves. Et puis, c'est bientôt l'heure où je l'ai vu passer l'autre fois. Ah, c'est un chien isotrope. Quoi? Isotrope. Il applique les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. T'es toujours comme ça, hein? Tiens, regarde. Le voilà, avec son sac. On privilégie une approche globale. Macroscopique. Holiste. La pluralité des perspectives, selon différentes dimensions, en fonction de différents niveaux d'organisation.
et la prise en compte des relations et des interactions. Je comprends rien à ce que tu dis. Regarde, ce que je vois, moi, ce sont les faits. Tu vois, les faits. Il n'y a que ça de vrai. On est considéré comme vrai que ce que l'on peut mettre en doute. Tu l'as vu, toi aussi. Mais oui, oui, on fait de l'approche systémique caractérisée. On s'approche avec pragmatisme de l'individu en fonction de son environnement, son histoire. Putain, mais t'étais dans quel service avant d'arriver au stup? Littérature rapprochée. Service spécial de décryptage des messages codés. Ah bah dis donc, tu parles d'un collègue. Dorénavant, tu resteras au bureau à décoder mes rapports. Allez, viens, on y va. Un suspect doit être considéré comme coupable. Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocent, mais ça ne dure pas. Allez, viens, discret. À nous de jouer. Hein. Le monde est une triste boutique. On est deux archéologues des bas-fonds de l'âme humaine. On cherche des preuves. On surveille les fous, les détraqués. Sommes-nous vraiment ce que l'on prétend être? C'est plus fort que toi, ce besoin de faire des phrases, hein? Ah, bonsoir, messieurs. On a vu Gilles. Il a encore vendu ses médicaments. On l'a suivi, on l'a vu. On l'a suivi. On verra avec le directeur s'il y a un problème. On ne dénonce pas les autres, monsieur Dont. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Thank you.